Société d'histoire de Sainte-Terre est heureuse de recevoir en entrevue Mme Alice Michaud. Merci. Une dame qui fait partie d'une famille pionnière de Sainte-Terre. Elle est sur ses abords de ses 98 ans. Mois de janvier, toujours en forme. Accompagnée de son fils, Jean-Yves, qui va nous aider à traverser ces belles années-là ensemble. Pas de chouïto. Merci. Madame Michaud, on aimerait savoir un petit peu vos origines à vous. On sait que vous n'êtes pas native de Sainte-Terre, fait que si vous voulez commencer avec ça, ça nous... Moi, je suis née à Saint-Ulrich. De Matane. C'est pas loin de Matane. D'accord. Et mes parents sont toutes les deux là. Originaires de ça. Mm-hmm. Ça fait que... Puis, vous... Oui. Ils ont tous eu mes frères. Ouais, je peux pas dire le nom, mais pas les, mm-hmm. les nommer, oui. Non, c'est correct. C'est correct, madame. On était plusieurs. Puis, mon père avait un moulin ici. Puis il a fait faillite. Ça fait que là, quand il s'est marié avec ma mère, on a resté chez les parents de ma mère. Elle disait Orpino. OK, OK. Toujours. On est toujours à la même place. Là. D'accord. Parents, vous avez vos frères, vos sœurs. Toute la famille, excepté deux qui sont. Quand tu vas arriver à Sainte-Rose, je vais te le dire. OK, OK. Puis à partir de quel âge que vous êtes envenu à Sainte-Rose de... Oui, à 5 ans, j'étais rendu à Sainte-Rose. OK. Puis vos parents sont déménagés, pourquoi? Oh mon Dieu! C'est à cause du fameux moulin-ci, oui, non? Oui, c'est ça. OK, OK. Puis là, vous êtes rendu à Sainte-Rose-de-Poulary, oui, voilà. Puis vous avez grandi là. J'ai grandi jusqu'à 5 ans. OK. Pas à Sainte-Rose! On va finir avec... À Saint-Ulrich de Matane. OK. Mon père, ma mère, on est là, son mari est là. Ensuite de ça, là, il a tout eu ses enfants. Puis quand, je sais pas venir, quand ses affaires ont mal allé, là, ils s'allouent, là, qui ont été chez les parents de ma grand-mère, Pinault. OK. Bon, ça fait que là, on est resté là, je prétends, jusqu'à... Le temps qu'on déménage à Sainte-Rose-de-Poulary, là. Okay. Là, on est rendu à Sainte-Rose-de-Poulary. D'accord. C'est moi qui étais le bébé. Ça, puis là, on est... là mon père cherchait de l'ouvrage parce qu'il y avait toujours eu des moulins ici. Mm-hmm. Quand on est arrivé à Sainte-Rose, là, il s'est ouvert une usine de portes et châssis. Il achetait le bois, puis il vendait, puis il a donné les châssis pour l'église de Sainte-Rose. Il a donné ceux de... Pour l'église. Pour l'église de Sainte-Rose, puis celle de mécanique. Je ne suis pas sûre si c'est mécanique, mais on le connaît pas. Mm-hmm. Ensuite de ça, là... Puis là, ça l'a mal été à un moment donné. Non, ça a bien été. Ça a bien été. Faisait de l'argent, puis on avait une grosse maison, en tout cas. Quand c'est la première fois que je suis allée à Sainte-Rose, je l'ai vue. Grosse maison, carrée comme on avait à boulangerie. Non? D'accord. Puis on était plusieurs, toute la famille. Là. Mm-hmm. Ça fait que là, les fièvres typhoïdes sont arrivées. Oui. Fait que là, mon père, toute la famille, excepté Cécile, qui était au couvent avec Amic. Ça fait que Cécile, elle l'a pas eu. Moi, j'en ai toutes passées là. Vous avez toutes eu la fièvre typhoïde? Toutes les fièvres, toutes. Ça fait que là, mon père est mort de ça. Mm. Il avait 44 ans. Mm. Mon frère Lionel, il est mort un an après. C'est 10 jours. 10 jours. 10 jours après. Puis ma petite sœur, elle faisait la paralysie enfantine, elle est décédée, je pense, au mois de juin. Mm. Ça en faisait trois d'un coup. Puis ma mère, elle était enceinte à part de ça. Fait qu'elle a perdu son bébé plus tard. Il y avait ce mois, le bébé. Mon père était décédé. Que je ne me rappelle pas quelle date que c'est. 1929, hein? En 1929, oui. Il me semble que c'est le 26 juin 1929. Bon. Donc, c'est le 16 juin 1929. OK. Puis après, c'est, je pense, c'est plus tard. D'accord. Puis, suite à ça, suite à la que votre père est décédé... Ma mère était toute seule, puis là, mon père, il y avait ça, qui travaillait, là,
il y avait un homme qui était malhonnête. Ça fait qu'il y avait, on avait du bois qui était à nous autres, que mon père avait payé. Lui, il a marqué que c'était pas payé. Ça fait que là, ça a brossé pas mal. Ma mère était enceinte, puis elle pouvait pas se défendre. Se défendre. Albert, était malade, il avait la fièvre typhoïde. Ça fait que ça a pensé qu'on a tout perdu ce qu'on avait. Mm. Ça fait que là, quand mon père est décédé, Albert, il avait 17 ans, là, il est allé voir M. Curé. M. Curé de Napoléon, là, avec lui. M. Curé, là, Albert est arrivé là, puis là, il a dit ça, on avait 9 enfants, on était 9. Ça fait qu'il a dit à M. Curé, dit, on est la ville n'est pas assez riche pour faire vivre ta famille. Prends ta famille, va-t'en avec ta mère, tes enfants, va-t'en ailleurs. Mmh. C'est dur, hein? Mmh. Pour une mère qui est enceinte, là. Mmh. Ça fait que là, ils ont passé l'hiver à Sainte-Rose. Puis à Sainte-Terre, il y avait mon oncle Louis Martin. Tu peux me mettre, là, dans cette affaire-là, là, le gérant de la banque, là, ils ont fait la vie, là. Ouais. Ils n'ont pas vu, là. Non, on n'avait plus. Ma mère, à l'époque, on avait des assurances. Toutes. Il n'y avait pas personne. Albert avait 17 ans. Puis Chartreux en avait 15. Mmh. Ça fait que je ne pouvais pas aider ma mère. Hein? Mmh. Fait que là, ben c'est sûr, là, tu sais, dans le fond, là, la suite à toute cette magouille qu'il y a eu là-dedans, le gérant de la banque a perdu sa job. Mais tu sais, eux autres, on en a eu pareil. Là. Fait qu'ils sont tombés là, tout nus dans la rue. Puis il était quand même, comme elle disait, il était quand même à l'aise financièrement parce qu'il y avait une auto. Ça peut pas faire. Fait que, ben, c'est toi qui me l'as dit l'autre fois, quand on est au cimetière. Ah, oh, tu veux que je compte au cimetière? Non, non, c'est pas de suite. Là, là, je veux que je compte, là. Fait que là, le lendemain, mon oncle Martin a su ça, que... Fait qu'il a appelé ma mère, puis il a dit, viens donc à Sainte-Terre, on va... Je vais m'organiser pour te faire une petite maison, puis je vais la faire sur le coin de mon terrain. Puis je la déménagerai plus tard sur deux, trois... Un autre lot? C'est de même pas loin de où il était. Je me rappelle de ça quand ils ont déménagé la maison. Là. Il fallait qu'ils enlèvent les clôtures. Il fallait passer chez Dubreuil, Val Dubreuil. Mm-hmm. Puis c'est un Beauvais, là, un autre. Mm-hmm. Puis il y avait notre maison. Là. Juste pour dire, là, quand elle parle de mon oncle Martin, ça se trouve être le père de Louis-Marie Martin. Oui. Parfait. Voilà. Il s'appelait Louis Martin. Oui, c'est juste Louis. Ah, parfait. Ça, c'était le père de Louis-Marie Martin. Ah. Parfait. Puis là, ils vous ont la maison a été déménagée. Plus tard. OK, d'accord. Là, on est encore à Sainte-Rose. Fait que l'année suivante, l'été suivant, on s'est emmené à Sainte-Terre. Ça fait que là, on a resté un petit bout de temps chez ma tante Clémentine puis mon oncle Louis. Puis là, mon cousin nous a construit une maison juste au côté de la traque passe, là. Mm-hmm. C'est Mme Payé, je pense, qui restait là. Hein? Ça se peut, oui. Et, ça fait que là, il ne faut pas que je rajoute rien de ce que j'ai dit celui-là. Puis plus tard, c'est-tu un an ou deux plus tard qu'ils ont déménagé la maison sur l'autre terrain? Il ne fallait pas que... On ne pouvait pas sortir de ma tante, peut-être rester un mois, là. Ah, okay. Avec 9 enfants, puis elle avait un sien, elle aussi. Mmh, oh non, c'est... Puis là, quand on est arrivé là, sur la terre, là, sur ce coin de terre-là, il a donné une partie de son terrain, puis elle avait un jardin, puis elle avait tout. Puis plus tard, un peu plus tard, elle a eu une vache. On était là un bon bout de temps, là, tant qu'on ne soit pas grand, parce que quand on allait à l'école, on partait de là, puis on s'en allait à l'école. Puis, à ce moment-là, vous avez grandi. Là. Vous avez resté plusieurs années à cet endroit-là, dans cette maison-là? Oui, on est resté là tant que j'allais à l'école à pied avec mon frère Lévi puis Léonard, parce que Gaston puis Albert puis Louis-Ange, eux autres, mon oncle, lui, il était cuisinier dans une... dans des choses de bois. Là. Des chantiers. Des chantiers. Puis, il les a engagés comme helpeurs, toutes les deux.
Ça fait que là, eux autres étaient corrects. Puis Albert, lui, il travaillait. Là, eux autres étaient placés, puis ils gagnaient la vie. Ça fait qu'Albert, lui, là, il était ingénieur. Il pouvait chauffer des bâleurs, tu sais, la oui, salle. Oui, oui, ingénieur de machinerie fixe. Dans mon livre, John Mac, il faisait 12. Du bois de 4 pieds. Puis, dans un moulin ici. Oui, dans un moulin ici. Puis, vous avez grand. Avez-vous toujours. Votre famille a toujours resté là? Jusqu'à temps que là, Gaston, puis Albert. Gaston Louis-Ange, puis Albert, lui, là, il travaillait dans les mines, mais quand ça n'a pas marché, il s'est en allé travailler à Montréal. Je pense que c'est pour la Dominion Bridge. Mm-hmm. Il a travaillé là. Ça fait que là, il a fait venir Gaston, puis il a fait venir Louis-Ange. Mm-hmm. Ça fait que là, ils ont été une secousse à Montréal. Là, nous autres, on restait à Sainte-Terre, sur la terre. Mm-hmm, mm-hmm. Ça fait que là, durant ce temps-là, mon oncle Louis Martin a pris avec M. Lalonde, c'est pas Henri, c'est le père. Le père Lalonde. Ils ont déménagé notre maison sur des rouleaux. Tu sais, on veut jouer encore ça. Là. Oui, oui, oui. Les gens avaient mis leur couture à terre, qui passe par-dessus, pour se rendre à la maison. Mm-hmm. Ça fait que là, notre maison était habitable. Ça fait que là, ma mère était chez eux, puis nous autres aussi. Puis on restait proche de la pierre. C'est où que Adrien, pas Adrien Dubreuil, restait là aussi. Armand qui était? Oui, Armand. Ouais, Armand. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la rivière des Peupliers. Oui, ah bon. Puis il y avait... ça fait que là, on est resté sur la terre. Ma mère avait des poules, puis on... Mm-hmm. On voyageait, tu sais. Puis, c'était quoi qui était la subsistance, mettons, parce qu'il fallait vous manger, puis... Ben là, c'est ça, il m'est passé des goûts, là. Là, Albert est allé travailler dans un moulin. Là, c'est de Jim Noré. Mm. Mon oncle, Louis Martin, était... Fait que là, il a dit au patron que c'était un homme qui avait été élevé sur... son père avait un moulin assis. Il a toujours travaillé avec son père. Il dit, si vous avez des problèmes, je suis sûr, il dit qu'il va régler ça. Mmh. Ça fait que là, il l'a engagé. Il l'a pas engagé tout de suite. Là, la strappe du moulin s'est brisée. Ça fait que là, le monsieur, il est allé voir M. Martin, là, mon oncle, oui. Il dit, emmène-le ton neveu, on va voir. C'est lui qui a réparé la strappe du moulin. Mmh. Lui, il l'a engagé. Mais 6 mois après, il n'avait plus de job. Ça a fermé, ça. Ça fait que, tout le monde travaillait pour aider à nous faire vivre, nous autres. Mmh, mmh, mmh. Ça, vous avez grandi? Oui, on a grandi là. Fait okay. Que là, mon père, ma mère avait toujours sa maison, puis on restait là. Fait que là, Albert, puis les Gaston, puis Louis-Ange, Léo, lui, il était trop jeune. Ils ont été travailler à Montréal. Fait que là... Il restait plus vous. Il restait Cécile, Lévy. Il restait Léonard, Lévy, Cécile. Chip. Moi, Gertrude. Puis Annette. Puis Annette. Ça faisait encore beaucoup de monde à nourrir. L'autre, Béatrice, était décédée. Mmh. Elle est décédée peut-être 5-6 mois après mon père. D'après ça, là, après la Dominion Bridge, là, ils sont venus de Montréal, ils sont venus ici. Mais là, nous autres, là, ma mère était elle restait dans un petit camp. Quand elle était rendue à Post-Calice. À Post-Calice, là, c'était pas la Croix Nord, nous, oui. Qu'il y avait là. Oui. Ça fait que là, Albert s'est emponu pour avoir une job. Fait que là, il y a eu une job, puis Gaston a travaillé là. Puis Louis-Ange, okay. On travaillait au moulin. Puis là, nous autres, on était... quand il a vu ça, Albert, il a demandé à mon mère qu'elle s'en allait à... Post-Calice. À Post-Calice. À Post-Calice, moi, oui. Dans un petit camp? Non, oui, oui, pour commencer, ma mère, c'est, j'ai couché dans le petit camp. j'ai des photos de tout ça dans le petit camp. Puis... Puis là, vous avez resté un petit bout de temps là, tant que la mine a fonctionné. Tant que la mine a fonctionné, on était au couvert, j'étais au couvert jusqu'à 17 ans. Ah, vous étiez pensionnaire? On était pensionnaire. OK. Et là, nous autres travaillaient là. Et
Nous autres, on était sur la terre. Mm-hmm. On était chez nous, là. OK, ce petit camp-là était sur une terre. Et non, il y en avait trois, quatre, là. J'ai des photos. OK, 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 OK. Il y avait trois, quatre petits camps. Trois, quatre petits camps. Puis c'était des gens qui travaillaient. Travaillaient à la mine. À la mine. Là. OK, OK. C'était pas grand, mais je me rappelle, je vois ma chambre. Il y avait deux grands lits, je pense. On devait coucher les filles séparées des gars. Ça hein? Mm. Sent là, là. Ça fait que là. Ça a duré un petit bout de temps, ça? Ça a duré longtemps, parce que, tu sais, j'avais 5 ans. J'avais plus que 7 ans, mettons 6 ans. Puis, au couvent, j'ai commencé l'école à la petite école. OK. Alors, on n'est pas allé au couvent tout de suite. Le couvent était bâti, mais il était, c'était plus petit. Oui, oui, oui. Ça fait que là. Puis là, vous avez été là comme pensionnaire, au couvent. Avec le maman, puis Cécile. Gertrude était mariée avec Lucien Beauvais. Eux autres, elle avait sa gang d'enfants, elle aussi. Là. C'est que Cécile, il y avait Albert, Léo, puis Léo venait à l'école là, avec nous autres. Il y avait Gertrude, puis, non, Gertrude était mariée. Bon, pour eux, Claude, ouais. Cécile, qui était avec les trois gars, là. OK. Gaston, Albert, Lévi. Puis, au couvent, vous avez été plusieurs années là. Oui. Puis comme vous étiez comme pensionnaire. Oui, oui, pensionnaire. On allait aux vacances, on prenait le train Saint-Air, puis il arrêtait à Port-Scalis. Écoute, 8 000 plus loin. Oui. Fait que là, les autres, ils savaient, ils venaient nous chercher. OK, parce qu'il n'y avait pas de route, probablement. Il y avait la route. Non, il n'y avait pas de route pour se rendre là. Parce que là, j'ai oublié que Léo, lui, était à la maison. Puis quand les gars avaient besoin de quelque chose, quand il travaillait pour la mine, c'est Léo qui partait avec un chien en traîneau. Mmh. Maman, elle lui envoyait le lavage, du manger, puis c'est tout. Puis ça, il partait le matin de Sainte-Terre pour se rendre à Croix-Nord. C'était pas loin de Pascalis. Oui. Ça fait que là, c'est là que. Mmh. Là, il restait couché là, puis ça revenait le lendemain. OK. Quelle inquiétude. Ben oui. Pour avoir, hein? Ben oui, ben oui. Fait que ça s'est bien passé, là. Ça fait que là, on va parler de Sainte-Terre, là, je pense. Hein? on revient à Sainte-Terre? On revient à Sainte-Terre, les autres. Albert envoyait, il gardait juste un peu de l'argent pour fumer. Les deux autres, je sais pas s'ils fumaient, mais en tout cas, ils gardaient ça parce qu'il envoyait l'argent. Il envoyait l'argent au complet à mon mère. Ah, votre mère. C'est mon mère, puis on achetait chez M. Bledeau, puis on faisait barquer, là, puis. Mmh. Notre nom était bon. Puis avec ça, vous avez réussi à... Oui, ouais, mais j'ai oublié de te parler. Quand on est arrivé à Sainte-Terre, c'est un peu décousu, mais en tout cas. Quand on est arrivé à Sainte-Terre, Albert est allé au magasin de Fortin Frères. Oui. Puis le maire de Sainte-Terre, je pense que c'était un Fortin. Mmh. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on le dira pas. Là, il a dit à Albert, il dit, tu t'en viens de faire vivre par la paroisse. Il dit, on n'est pas capable de faire vivre. Albert est sorti, le cœur gros, puis il a dit, tu ne nous feras jamais vivre. J'ai assez de cœur pour faire vivre ma famille puis ma mère. Mmh. Ça fait que ça faisait des déboires, ça arrivait, tu sais. À Sainte-Rose et à Sainte-Terre. Pas à Sainte-Terre, puis après, oui, à Sainte-Terre, quasiment la même chose. Mettons, vos frères faisaient bien vivre la famille. Oui. Vous avez été... La pension au couvent, il fallait payer une pension. Ah oui! Je ne me rappelle pas comment que c'était, mais il fallait payer notre pension au couvent. Puis vous avez fait juste, mettons, comme... Savez-vous quelle année vous avez fini, mettons, en 11e? J'ai fini en 9e. En 9e année. OK, OK. J'avais pas de diplôme. Ils me demandent, ben, j'ai été gradué, puis c'est ça. J'ai dit pas en tout. OK. Puis après ça... Là, oui. On va continuer à oui. Oui, oui, d'accord. Là, après ça, là, quand je voulais plus aller à l'école, moi, c'était au mois de mai, quelque chose de même, avant la finition des classes, Cécile, elle a pris ma soeur, le métier de coiffeuse. Mm-hmm. Ça, il prenait quelqu'un pour pratiquer, tu sais, pour mettre... Les frisettes. Les frisettes, oui, on dirait comme toi, puis elle montait les cheveux. Puis, oui. J'étais bien heureuse, hein, dans la maison. Puis là, quand on. Ça, c'est avant que ma mère déménage, là. Okay. C'est pas mal, là.
C'est difficile à tout mettre. Et là quand elle se retient quoi un fils, c'était-tu à Sainte-Marie ou à Post-Calis? Là, on était à Post-Calis. Okay. Puis c'est là qu'elle suivi son cours de coiffure. C'est là que je me suis en allée à Post-Calis, moi aussi. Puis là, j'ai resté tant qu'elle a eu besoin de moi. Puis là, mes frères travaillaient toujours à mine, ça marchait. Mm-hmm. Ça fait qu'après ça, mes frères ont... La mine a peut-être allé moins bien. Oui, elle a fermé. Non, mais là, là-bas, là, à Post-Calis, là... À Post-Calis, je vais vous compter mes aventures. OK. Regardez, on a écoulé un petit peu notre temps pour tout de suite. On va reprendre ça avec une autre émission, Madame Michaud.